Content de vous avoir encore avec nous ici aujourd'hui à ADN Sportif. Mon nom, c'est Alex Harvey. Moi, c'est Amélie Riendeau. Et aujourd'hui, on va aller voir deux sports bien distincts, mais dans la même famille, le vélo et le fat bike. Fat bike est quand même un sport relativement nouveau. Je pense qu'il n'y a pas grand monde ici qui savent c'est quoi le fat bike. Alors, on a piqué la curiosité puis on est allé directement sur le terrain pour vous montrer c'était quoi. Et pour le vélo, on va aller voir qu'est-ce que ça travaille, comment en faire encore mieux et aussi les différents athlètes et les différents niveaux de vélo. Oui, tout à fait. Donc, on va couvrir ça aujourd'hui. Manquez pas ça, ça commence maintenant. Ça va bien? Oui, toi? Oui, je suis contente de te passer en entrevue. J'en ai appris beaucoup sur ton sport qui est le cyclo-cross que je connaissais pas. Donc, parle-moi-en un peu, ça vient d'où puis comment tu as commencé? Dans le fond, c'est un sport qui vient de l'Europe, surtout de la Belgique, en Flandre, qui est une région de la Belgique. Puis, j'ai commencé à faire du cyclo-cross par l'entremise d'un de mes amis, là, Gervais Pouliot, puis il m'a introduit au sport, puis je m'intéressais au vélo. Mais j'avais envie de faire un peu de hors-piste, puis de combiner avec la course à pied, vu que je suis un ancien coureur de fond. Donc, le cyclo-cross m'offrait vraiment l'option de pouvoir faire du vélo dans le boue, dans le sable, dans la neige, puis en même temps de devoir débarquer puis courir avec le vélo sur l'épaule. Fait que c'est ça qui m'a plu de ce sport-là. Fait que t'es un sportif qui a besoin de défis, si je comprends bien. Oui, c'est ça. On peut dire ça comme ça. Puis comment ça se passe, les courses de cyclo-cross? Comment tu... À quoi ressemble une distance? Puis comment ça fonctionne? Parce que tu me parlais tantôt que c'est pas comme... Une course sur route. Exactement. Où on a une distance. Exact. Dans le fond, une journée typique de cyclo-cross, on arrive aux courses 2 à 3 heures d'avance, là, on va s'inscrire. Puis après, on va faire le parcours pour vraiment choisir la pression qu'on va mettre dans les pneus, le bon tread, pour pouvoir avoir de l'adhésion dans tous les virages, mais pas trop non plus pour pas que ça nous ralentisse, puis d'avoir la bonne pression aussi, question d'adhésion. Puis après ça, dans le fond, on va faire un réchauffement qui va durer entre 30 et 45 minutes. Puis mon équipe technique de 2 personnes va partir avec mon 2e vélo puis mes roues, va aller au puits pour être sûr que si pendant la course il arrive quelque chose, on peut changer de vélo. Puis pendant ce temps-là, moi je vais aller au départ avec un de mes parents ou quelqu'un d'autre. Puis on va, 2 minutes avant la course, on va enlever veste puis pantalon long pour vraiment être le plus à l'aise possible. Puis ce qui est vraiment stressant, c'est les départs. Mm-hmm. Parce que c'est pas comme une course sur route où on va partir, ça va être mollo pendant 5-6 km puis qu'on en a 150 à faire. Là, c'est 45 minutes, puis c'est 45 intense. Minutes. Ouais, le plus fort qu'on peut. Donc, on... Fait que c'est ça, si je comprends bien, c'est le plus de tours possible. Exact. Fait que quand t'ajustes tes pneus, quand t'ajustes la densité de ton pneu, oui. C'est vraiment pour être à l'épreuve de ce 45 minutes-là puis que ça soit le plus efficace pendant exact. Ce temps-là. Puis c'est ça. Puis dans le fond, un coup que c'est le départ, le commissaire de course va dire 15 secondes avant le départ, puis il peut donner le départ n'importe quand dans ces 15 secondes-là. Donc là, tous les coureurs sont stressés, on tient les bécanes solides, puis quand le go est lancé, c'est tout le monde veut se tuer pour arriver le premier dans le virage, puis éviter que... Mm-hmm. Parce qu'on se bat vraiment pour arriver le premier dans section gazonnée, dans le bout, peu importe, pour être le mieux placé. Puis après ça, on se regarde pas, ça fait pas un peloton. Mm-hmm. Ça explose, c'est tout le monde qui attaque constamment, c'est à la file indienne, puis les casseurs vont se faire vraiment vite. Vélo sur neige a roulé sa bosse de la côte ouest jusqu'au Québec. En fait, il aurait été inventé par des amateurs de vélos de montagne à la fin des années 80 en Alaska. On ne sait pas vraiment d'où vient le cyclo-cross. Plusieurs histoires existent pour expliquer la création de cette discipline. Les 2 populaires sont les suivantes. Au début du 20e siècle, les coureurs sur route se seraient adonnés à des courses lors desquelles ils pouvaient passer à travers les champs plutôt que par les routes pour rejoindre le village suivant plus rapidement. Ou encore, 2e hypothèse, cette discipline viendrait de courses organisées entre messagers à vélo de la Première et 2e Guerre mondiale qui voulaient recréer les conditions de la guerre et les obstacles rencontrés allant d'un village à l'autre pour livrer les messages. Les premiers championnats du monde de cyclo-cross furent organisés en 1950.
Bien que l'utilisation de pneus surdimensionnés est visible dès les débuts du développement de la bicyclette, cette pratique est surtout installée à partir du milieu des années 80. Quelques années plus tard, un groupe d'Alaskains pratiquant le vélo de montagne a décidé de concevoir un vélo 4 saisons. Différents modèles font leur apparition dans les années 2000. La popularité de cette discipline-là, par la suite, a explosé au début des années 2010 avec l'organisation d'événements et une meilleure réglementation. Le fat bike demeure surtout populaire en Amérique du Nord durant l'hiver. Un enjeu principal dans le sport. Pourquoi on pratique le sport? C'est une question qu'on pourrait se poser. Alors, je vous la pose à vous. Pourquoi qu'on pratique le sport? Est-ce que c'est pour le plaisir? Est-ce que c'est pour la performance? Est-ce que c'est pour être en santé? Est-ce que c'est pour socialiser? En fait, ça peut être toutes ces réponses. Donc, le sport, c'est quelque chose qui nous rassemble, mais c'est quelque chose aussi qu'on peut performer, on peut se dépasser, puis c'est quelque chose aussi qu'on fait pour sa santé et également pour le plaisir. Le problème qu'on rencontre en ce moment dans le sport, c'est que parfois, c'est axé principalement sur la performance. On oublie l'essence que, oui, la performance est importante, mais d'abord et avant tout, pourquoi qu'on performe, c'est parce qu'on aime le sport et on se développe dans ce sport-là. On apprend à se connaître, on apprend à tisser des liens. Donc, il faut qu'on apprenne aux entraîneurs, il faut développer ce sens critique-là, de former nos entraîneurs et d'être critique par rapport à qui entraîne nos jeunes pour former des adultes complets plus tard qui vont comprendre que le sport leur a apporté beaucoup et qui vont se retrouver à des hauts niveaux compétitifs en ayant confiance en eux et en étant soutenus et encadrés par des professionnels qui encouragent d'abord et avant tout le plaisir et ensuite les performances. Comment on peut faire ça? On peut s'informer à la fédération du sport que notre enfant ou qu'on pratique pour voir si notre entraîneur est certifié. On peut aussi, nous-mêmes, exiger une recertification ou alors demander à son entraîneur de suivre la formation continue pour s'assurer que notre jeune ou nous-mêmes, on est encadré de la bonne façon dans notre sport, de façon sécuritaire, à favoriser le développement à long terme, pas seulement de l'enfant, mais également du sport, pour que le sport perdure dans le temps et qu'il soit bien représenté, qu'il soit bien enseigné. Frédéric Gouin, qui travaille au Vertige. Donc, Vertige, c'est un magasin sportif. Qu'est-ce que vous faites particulièrement? C'est quoi votre spécialité? Spécialisé dans le domaine du vélo, ski alpin aussi, mais vraiment, vraiment plus le vélo, toutes les sortes de vélos, vélo de route, vélo de montagne, vélo d'hiver, vélo de promenade. Fait qu'on est vraiment spécialisé dans le vélo. Super. Puis, toi, ton travail consiste à quoi exactement? Tu as plusieurs tâches ici, de ce que je peux comprendre. À quoi ressemble une journée dans ton quotidien ici? Une journée dans mon quotidien, c'est vraiment faire la mécanique de vélo, soit monter des vélos neufs, faire la réparation des vélos des personnes qui en achètent ici. Mm-hmm. Vendre les vélos, on fait l'entretien des skis aussi, ski alpin. On vend les skis alpins, on fait la vente de vélos, le positionnement sur des vélos. OK. Fait qu'il y a beaucoup de... Beaucoup d'aspects à toucher. Ouais. Aujourd'hui, on va se concentrer davantage sur le vélo parce que c'est ce qu'on veut parler. On veut parler du fat bike plus particulièrement. Puis je t'ai posé des questions tout à l'heure par rapport à l'équipement nécessaire pour le fat bike. Qu'est-ce qu'on a besoin si on veut faire du vélo? Entre autres, je pense que tu m'as montré un pneu qui est un pneu spécialement fait pour l'hiver. Donc les
Les roues sont un petit peu plus épaisses, si je ne me trompe pas, les crampons. Oui, les crampons vont être un peu plus surélevés, un peu plus gros aussi. On va avoir une meilleure traction dans la neige un peu plus forte. Quand la neige est bien dure et c'est de la glace, c'est sûr que n'importe quel pneu va quand même bien rouler sur une surface plus dure. Un pneu à clous, surtout dans le sud du Québec, ouais. Où il y a beaucoup de pluie l'hiver, qui nous amène beaucoup de glace, un pneu à clous va peut-être amener un petit peu plus d'adhésion, puis aussi un peu plus de confiance là, pour la personne qui est sur le vélo, là, parce que la glace en dessous de la neige, ça pardonne moins un peu. Non, vraiment. Ouais. Surtout qu'on a eu vraiment des températures qui amènent ce type de conditions-là. Non, c'est ça, surtout dans le sud du Québec, parce que tu sais, on va plus dans le nord, mettons Québec, même la ville de Québec, mm-hmm. où Rivière-du-Loup, c'est un petit peu moins de problèmes de pluie qui vient geler par-dessus la neige. Puis par rapport au fat bike, on a parlé d'un point super important qui est la pression dans le pneu. Ouais. Donc, tu me parlais que c'est sur différentes surfaces qu'on peut pratiquer ce sport-là. Ouais. Pourrais-tu m'en parler un peu plus? Oui. Dans le fond, la pression va varier beaucoup de la température de la neige, la température dehors, la condition de la neige aussi. On va rouler avec une pression vraiment à base sur la neige molle, la neige fraîche. Quand les sentiers de fat bike sont tapés ou sont tapés par des raquettes, c'est sûr qu'on va pouvoir mettre une pression un peu plus élevée dans le pneu. Le pneu va être plus roulant, va être moins tirant. Ça va être un peu plus agréable avec des conditions de neige un peu plus dures. Là. Ouais. Mais on peut rouler sur la glace aussi, là, avec des terres à clous. Puis, on peut rouler dans le sable, sur le bord de la plage. Fait que c'est vraiment un vélo qui n'est pas juste axé à l'hiver, mais qui est au Québec là, principalement. Là, c'est ça que j'ai trouvé le fun de ce vélo-là. C'est que je me disais, oui, tu me parlais de la plage aussi. Si on veut l'amener en voyage, on peut se promener sur la plage avec quand le sable est tapé. Puis vraiment... aller où est-ce qu'on veut avec ça. Ouais, c'est comme un genre de gros tracteur quatre roues. On va que ce soit la plage ou même un cours d'eau, un ruisseau avec de la roche un peu, de la grisaille, bon, pas mm-hmm. de la grisaille, mais de la rochaille. Mm-hmm. On peut se promener dans le bois qui n'a pas de sentier. On peut aller dans nos camps de chasse. On peut pacter les fat bikes avec un rack, mettre nos arbalètes, nos arcs à flèches ou nos fusils pour aller à notre camp de chasse, ça fait pas de bruit, on se promène dans le bois, ça, aucun moteur. C'est vraiment intéressant. Ouais, c'est vraiment un vélo là, à multiples usages. Oui, puis d'où est-ce que ça vient? Tu me parlais un peu des origines. Mais au départ, c'était vraiment en Californie, sur le bord de la beach, là, se promener sur la plage, puis dans des conditions là, un petit peu plus désertiques. Puis aussi l'armée... l'armée américaine, ils ont amené en Antarctique, ils ont amené dans le pôle Nord pour se promener sur les banquets, sur la neige. Pour se promener d'un camp à l'autre, ouais, c'est d'un ça? camp à l'autre. Puis c'est amener, fascinant. Amener soit un traîneau attaché à l'arrière, amener notre équipement. Puis quand on n'a pas de sentier ou de chemin là, fait pour les véhicules. Ouais. C'est un sport en développement, comme tu m'expliquais. Ouais, ouais. Mais surtout au Québec, là, ça fait 5-6 ans que c'est la grosse mode. Là, d'année en année, ça fait juste augmenter. Mais le fat bike en tant que tel, ça fait quand même longtemps que ça existe. Là. OK. Ouais, ouais. Puis là, mettons que je suis curieuse, mettons que je voudrais commencer, je dis ça comme ça. Qu'est-ce que ça me prendrait comme équipement pour le fat bike d'hiver, mettons, ici au Québec? Pour l'équipement, c'est sûr que quand on veut commencer, on va s'habiller de façon quand même assez sportive, un peu comme le ski de fond ou de la raquette ou de la course à pied, là, vraiment léger, parce qu'après 5 minutes, là, on va avoir chaud dans le bois, puis il faut que la transpiration puis l'humidité... Un peu comme le ski de fond, c'est ça? pareil, comme le ski de fond. Puis au niveau des bottes, on va pouvoir soit avoir une botte... une botte spécifiquement faite pour le fat bike, assez rigide, qu'on va pouvoir mettre une clip en dessous pour pouvoir clipper la botte, ou on peut prendre une pédale bien normale, comme ça, avec notre botte d'hiver qui va avoir une bonne largeur de pédale, avec des crampons pour avoir une bonne grippe sur la pédale aussi. Fait pas besoin nécessairement de s'acheter des nouvelles bottes, à moins que nos bottes soient vraiment chaudes et soient capables de garder qui soit capable de respirer aussi. Exactement, oui. OK. Puis à part de ça, par rapport au vélo en tant que tel, y a-t-il des particularités? On a parlé de la roue qui devait être un petit peu plus... Le pneu qui devait être un petit peu plus épais. Y a-t-il autre chose par rapport à la suspension? Les vélos, les fat bikes, il y a beaucoup de modèles de fat bikes. On peut avoir des fat bikes avec des suspensions, avec...
pas de suspension, avec des pneus moins larges, un petit peu plus larges. La largeur des pneus varie beaucoup d'un vélo à l'autre. On peut rouler avec du 4 pouces ou du 5 pouces de largeur comme pneu. On peut avoir une suspension qui va venir être plus utile l'été, la suspension. L'hiver, on n'a pas vraiment besoin sur la neige. Mais rendu l'été, si on se promène à l'année longue avec le vélo, c'est sûr que la suspension va amener un petit peu plus de confort, là, puis de stabilité aussi, là, dans des sentiers un peu plus rocailleux. Les changements de vitesse, les vitesses des vélos, là, c'est sûr qu'un vélo plus haut de gamme va avoir juste un plateau à l'avant avec 11 ou 12 vitesses à l'arrière. Puis un vélo un peu plus entrée de gamme va avoir deux plateaux à l'avant avec 10 vitesses arrière, un peu plus de vitesse. Pour quelqu'un qui va commencer, ça va être un peu plus facile. Là. On va pouvoir aller chercher un peu plus d'agrément là, en montant des côtes, surtout. Là. Excellent. Hey, j'en ai appris beaucoup sur comment m'équiper. Je ne sais pas si je vais commencer, mais au moins, j'ai toutes les informations. Là, ça prend un casque aussi. Ça prend un casque, c'est vrai. Même dans les sentiers. Bon, c'est... moi, je le conseille, là, les arbres. C'est... vaut mieux être sécuritaire que se péter la gueule. Bon, en vélo, tout le temps, un casque. Hein? Oui, n'importe exactement. Quel vélo. Bien, c'est une règle de sécurité maintenant aussi. Ouais. Le Fat Bike, c'est vraiment le sport par excellence en conditions hivernales. Fait pas assez beau pour le ski ou la raquette, c'est probablement parce que c'est assez beau pour le Fat Bike. Il neige un peu, le Fat Bike, ça marche encore. Il fait moins 60, le Fat Bike, ça fonctionne encore. Puis en plus, vous allez vous réchauffer avec tout ça. Fait que vraiment, là, que je vous voyais pas trouver des excuses de pas en faire. À part que vous en avez pas, peut-être. On est habitué de voir des vélos avec des pneus à peu près gros comme ça ou limite gros comme ça, mais les fat bikes, on a l'impression que c'est assez difficile à se manœuvrer, c'est immense, c'est des gros monster trucks, mais pas tant que ça, les pneus sont faits de 8 à 12 cm, juste assez pour que ce soit facile à manier. Si vous cherchez un sport pour faire le party, le cyclocross, honnêtement, c'est ce qu'il vous faut. Premièrement, les spectateurs sont invités à prendre de la bière. Les spectateurs souvent donnent de la bière aux cyclistes, puis il y en a même qui poussent l'audace jusqu'à donner des réglisses aux cyclistes. Il semblerait que c'est une tradition, puis les cyclistes, bien, les mangent évidemment. On peut voir ça en automne, en été, en famille et avec les enfants, en autant que les enfants boivent pas de bière, évidemment. Souvent, le cyclocross est comparé au mountain bike, mais c'est vraiment deux sports complètement différents. Le mountain bike, vous êtes obligé de réparer votre vélo vous-même, tandis qu'au cyclocross, bien, vous avez une équipe de techniciens en vélo avec vous et vous avez jusqu'à 3 vélos permis dans la compétition. Pourquoi 3 vélos? Bien, parce que les compétitions se font au début de l'hiver sur des sentiers boueux et la différence entre un vélo propre et un vélo boueux, ça peut aller jusqu'à 10 kg. Donc, une fois que le vélo est plein de boue, bien, vous changez pour un vélo moins de boue. Et le troisième sert en cas de backup si ça commence à se cramper de partout. C'est quand même intelligent. Par rapport au vélo ou au fat bike, c'est un sport parmi tant d'autres.
dont on peut pratiquer sous différents paliers et dans différents cadres. Il y a le cadre récréatif, donc on peut simplement pratiquer le sport pour le plaisir de le pratiquer. Ça veut dire chez soi, on achète l'équipement, puis on le fait parce qu'on aime ça. Puis c'est vraiment correct. C'est fait pour tout le monde. Ensuite, on a le palier qui est un petit peu plus accessible aussi, qui est le volet communautaire. Donc, des fois, dans les municipalités, on retrouve des clubs, par exemple, de vélo. On trouve des clubs où est-ce que les gens se regroupent pour former une mini-structure pour pouvoir pratiquer ce sport-là. Puis après, on a le niveau aussi qui est régional. Donc, on peut retrouver au Québec des organisations qui permettent soit des compétitions, soit des entraînements, ou un calendrier vraiment intéressant pour pratiquer son sport à un niveau un petit peu plus intéressant si on est intéressé à aller un peu plus loin. Par la suite, il y a le niveau provincial. Donc, le niveau provincial, c'est partout au Québec. Là, les événements sont souvent très, très rassembleurs. Donc, beaucoup de gens partout au Québec se rassemblent pour pratiquer l'activité. Il y a et des compétitions et des tournois parfois dans certains cas. Il y a des calendriers très chargés par rapport à la préparation, puis également des ligues, donc par rapport à tous les sports en général. Et on a le dernier volet qui est le volet national. Donc au volet national, il y a des compétitions à travers le Canada. Il y a des fins de semaine d'organiser. Il y a également des prix. Donc là, c'est vraiment le niveau avancé, le niveau élevé. On retrouve l'élite dans ce niveau-là. Puis il y a le volet international où là, on peut vraiment rêver, on peut aller jusqu'aux Olympiques et c'est un petit peu moins accessible, mais en même temps, si on y croit, pourquoi pas? Comment tu combines tes études avec ton sport? Cette année, ça a été plus facile que les années auparavant parce que j'ai pris, dans le fond, des options un petit peu plus faciles. Fait que je me suis réduit la charge de travail scolaire pour pouvoir plus me concentrer sur le vélo, vu que c'était ma première année junior. Mm-hmm. Donc, la première année qui est régie par l'UCI, l'Union cycliste internationale. Mm-hmm. Puis, j'ai fait les championnats canadiens, les championnats d'Amérique, des courses UCI. Donc, j'ai été parti souvent, mais je réussis vraiment à combiner. Je suis quelqu'un d'organisé, donc je combine assez facilement le vélo et les études. Puis, est-ce que tu te fais accompagner par tes parents dans ces courses-là? Comment que ça fonctionne? Oui, dans le fond, mes parents m'accompagnent aux courses, ou sinon mon grand-père, pour cette saison, ça a été comme ça. L'an prochain, ça se peut que ça soit différent. Là, je vais peut-être probablement avoir un mécano, puis on va aller aux courses comme ça ensemble. Fait que ça va être, ça va être plus simple. Comment tu te projettes dans l'avenir avec ton sport? Où est-ce que tu aimerais aller? Dans le fond, moi, l'an prochain, ça va être ma deuxième année junior. Donc, l'année où j'ai le plus de chances de performer au niveau international. Donc, je vais refaire plus de courses UCI. UCI, pourrais-tu nous l'expliquer un peu, c'est quoi? C'est UCI, comme je disais, c'est l'Union cycliste internationale. Mm-hmm. Puis ces courses-là, qui sont des courses UCI, permettent de récolter des points. Puis ces points-là nous permettent d'être mieux placés sur les lignes de départ en Europe ou dans les championnats. Cool! Donc, je vais faire beaucoup de ces courses-là aux États-Unis puis en Ontario. Puis je vais faire championnat d'Amérique et championnat canadien. Puis en début décembre, là, dans le fond, on va s'envoler en Europe. Puis je vais aller courser en Belgique, en France, aux Pays-Bas, puis en Suisse pour les championnats du monde. Si je réussis à me qualifier, ça serait ça l'objectif. Tu m'expliquais que l'équipement coûte très cher, que ça te prend plusieurs vélos, des roues, même les pièces pour tes pneus et tes crampons, c'est très dispendieux. Comment tu fais pour te permettre ça à ton âge? Dans le fond, j'ai la chance d'être supporté depuis longtemps par des commanditeurs. Donc, il y a Vertige Véloski, la boutique de vélo à Saint-Hyacinthe, qui me commandite depuis 4 ans, dans le fond, depuis ma première saison. Puis cette année, j'ai eu la chance d'être commandité par Just Bite Food, une compagnie qui est maintenant à Saint-Hyacinthe, qui fait des collations santé. Le groupe Benoît Bienvenue, qui nous a supporté pour organiser une course. Puis aussi, durant ma saison, Gestion Rodier, qui est une compagnie de paysagement, nous a aidé aussi pour la course. Fait que c'est tous des commanditaires qui ont été géniaux cette année puis qui m'ont permis d'aller partout au Canada, puis ça m'a vraiment aidé.
honnêtement, tant de particularités dans un sport que je pensais si simple, le vélo, mais encore là, ça donne envie d'en faire plus. Exactement. Le vélo, c'est plus juste quand on apprend à faire du vélo quand on est jeune. Il y a tellement de possibilités. Il y a aussi beaucoup de pistes cyclables dans notre région. On est vraiment chanceux, on est gâtés. Alors, on pourrait en profiter davantage. Où est-ce qu'on peut en faire à Drummondville? Le club Les Cyclophiles ont plein d'idées pour vous. Vous pouvez les suivre sur leur page Facebook. Honnêtement, ils ont l'air d'une super belle organisation. Et il y a le Vélo Club à Saint-Hyacinthe, donc vous pouvez faire appel à leur service, soit pour un vélo ou simplement pour faire partie d'un club. Amusez-vous, faites du vélo comme vous pouvez, puis d'ici là, on se retrouve une prochaine fois pour ADN Sportif. Salut! Bye tout le monde!